Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 décembre, il est 8h30, je souhaite un très joyeux anniversaire à mon amie Audrey. Voilà, là je suis en route pour l'hôpital. Si vous avez suivi un petit peu les péripéties d'hier, on m'a dit de venir un peu plus tôt, du coup non, j'aurais dû y être en fait à 9h30, mais on m'a dit de venir à 9h. Donc ça c'est un truc qui m'angoisse parce qu'à chaque fois que c'est un peu plus tôt, je me dis tout le temps que ça va être la course, que machin, machin, machin. Donc mais c'est pas grave, j'y vais maintenant. Ma belle-mère est arrivée à la maison, mais juste à l'instant là, il y a 2 minutes. Je l'attendais devant la porte limite pour qu'elle prenne direct le relais, que je puisse partir. Il y a un temps, c'est affreux, il y a du brouillard, mais c'est horrible. Il fait 9 degrés, il fait pas froid, hein. Mais le temps, il est juste horrible. J'ai pris quand même une bouteille d'eau et un petit paquet de biscuits, là, parce que on sait jamais, hein. Moi, je prévois toujours un petit truc à grignoter, parce que quand je suis stressée ou quand je sais que je vais avoir une intervention comme ça, rien que le après, je me dis, ça fait du bien d'avoir un petit truc à manger si je me sens faible ou quoi. Bon, j'ai pas pris grand chose, j'ai pris ça. Ça ira très bien. Et voilà, je suis un peu quand même un peu stressée quand même. Parce que. En fait, elle m'a fait stresser hier là, quand elle m'a appelé la secrétaire en me disant oui, faut vous faire la douche à la bétadine, faut revenir à jeun. Elle m'a fait stresser en fait, parce que d'un petit truc comme ça, elle me dit ça et puis voilà quoi. Elle n'était pas réveillée quand ma belle-mère est arrivée. En fait, le fait que quand elle est arrivée, Nicky a aboyé comme une demeurée, elle s'est réveillée. Voilà. Et elle s'est réveillée. En plus, elle a un rhume. Alors, vous savez, quand ils ont des rhumes, les gamins, quand ils se réveillent, pendant la nuit, ils ont le nez complètement bouché. Là. Enfin, voilà, donc, dès qu'elle se réveille, elle avait le nez complètement bouché. Donc, je vais faire un lavage de nez vite fait avant de partir. Et voilà. Bon. Et hier, du coup, ah oui, parce que je vous ai pas dit, hier dans la douche, je me suis dit, je vais enlever mes derniers strips parce que j'ai commencé en fait à les enlever avant-hier. Les strips parce qu'ils étaient encore bien collés quoi. Et je m'étais dit, il faut quand même que je les enlève. J'ai l'impression qu'ils ne se décollent pas les trucs et tout. Bref, j'ai commencé parce qu'en fait, elle m'avait mis des strips en forme d'étoile comme ça. Donc j'ai commencé à détacher 2 strips. Le troisième, après il n'en restait plus que 2. Dit bon, je laisse les 2 derniers, je le ferai demain. Et du coup, je l'ai fait hier soir. Et ce que je craignais a été fait. Elle m'a ouvert, bon, à la limite, au bord de mon tatouage, mais au bord. Hein. Mais en fait, elle est passée sur la pointe. Elle m'a ouvert sur la pointe du tatouage. J'ai dit, j'espère que là, quand ils vont m'ouvrir, ils vont pas me ouvrir sur le tatouage, ça va pas le faire. Non mais c'est chiant quoi, parce qu'après t'as une grosse cicatrice à tatouage, il ressemble plus à rien. Bref. Donc je vais quand même leur mentionner quoi, s'ils peuvent faire juste au bord, parce qu'en fait l'implant il est juste au bord, enfin il n'est pas sur le tatouage, il est juste au bord du tatouage quoi, il n'est pas dessus. Donc je vais leur demander s'ils peuvent éviter de couper son tatouage, parce que ça coule. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brouillard. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, si vous voyez. Allez, je vous laisse, je vous tiens informé quand j'arrive, si je peux, hein, parce qu'en plus, ça me stresse parce que je sais pas où je vais mettre mes affaires. Mon sac à main, tout ça, enfin, j'ai commencé à avoir un coup de flip hier, je disais à David, mais je vais mettre où toutes mes affaires, en fait, mon sac à main, mes fringues, je m'en fiche, mais c'est surtout mon sac à main, je vais le mettre où pendant l'opération, moi, mon téléphone et tout ça. Vu que c'est un soin externe, je sais pas du tout où je vais pouvoir le mettre, quoi. On verra, je vous dirai ça.
Alors du coup je vous retrouve là. Il est... Attendez, j'appuie sur un bouton. Oui, les caméras sont obstruées, c'est normal, j'ai des feuilles sur la voiture. Alors, donc, je vous retrouve là, il est 12h40. Ça y est, je viens de sortir de l'hôpital tout juste. J'ai mangé un petit bout, parce qu'en fait, ils m'ont proposé soit un café, café au lait, chocolat, tout ça, et avec du fromage, un yaourt, une compote, tout ça. Et moi, quand on me propose de la bouffe, je dis pas non. Donc, je n'ai pas dit non, évidemment. Donc j'ai mangé un petit bout. Alors ça a été super long je trouvais, mais ça a été super rapide une fois que j'étais dans le bloc. Franchement, en plus elles étaient super gentilles, les filles et tout. Enfin vraiment, ça s'est trop bien passé. Franchement, c'était cool. Par contre, ils ont dû mettre un cathéter quand même, parce qu'en fait, à la base, normalement, ils n'auraient pas dû, parce que vu que c'est qu'une anesthésie locale. Normalement non, mais là apparemment donc la gynéco a demandé de mettre un cathéter au cas où je me sentirais de nouveau mal comme la première fois. Mais je lui ai expliqué à la gynéco, je disais mais la première fois je me suis sentie mal parce qu'en fait ça avait duré trop longtemps. Et sentir trifouiller dans le bras pendant autant de temps, ça a commencé oui, à me faire tourner de l'œil, mais sinon, si ça aurait duré 3 minutes, ça m'aurait pas dérangé. Et je dis, là, je pense que ça va durer 3 minutes, enfin, j'imagine. Elle dit, oui, ça va être vite fait, vous verrez, en 2 minutes, c'est terminé. Ici, on a tous les outils qu'il faut comparé aux kits qu'ils peuvent vendre là pour la dépose. Machin, bref. En tout cas, ouais, vraiment trop gentil. Il y a juste un moment donné où, en fait, quand ils m'ont descendu au bloc, donc moi, je suis descendue à pied, enfin, debout, je veux dire. Et en fait, ils m'ont dit de me mettre sur un lit, donc pour après l'opération, quoi. Et le lit, il était mais glacial, oh, j'ai cru que je me couchais sur de la glace, c'était horrible. Ah, c'était horrible, j'ai eu froid d'un coup, là. Après, ils m'ont mis une couverture, mais c'est pas une couverture chauffante, vous savez, d'opération, ils m'ont mis juste une couverture. Et par contre, après, ils m'ont mis une couverture chauffante pendant l'opération parce que alors dans le bloc il y avait carrément la ventilation froide là qui soufflait sur moi, c'était horrible. Et ouais, donc du coup ils m'ont mis la couverture chauffante, franchement mais c'est de la tuerie ça. Il me semblait que j'avais déjà cette couverture chauffante pour mon opération quand j'avais fait les prothèses mammaires, mais franchement je m'en souvenais pas que c'était aussi bien. Franchement c'est trop bien la couverture chauffante, trop cool. Donc voilà, après ça a duré 3 minutes, franchement, bim bam, anesthésie, j'ai pas eu mal, franchement, nickel. Hein. Même eux, après, quand je me suis relevée, ils m'ont dit, vous avez pas de vertige, ça vous tourne pas? Je dis, non, rien du tout. En fait, de la table de l'opération, je me suis levée et ça allait très bien, quoi. Pas de vertige, rien, j'avais juste faim, en fait. Faim, surtout, et soif. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après ils m'ont demandé si je voulais un petit. Alors ils appellent ça un déjeuner. Mais c'est juste un café au lait, biscottes, compote, yaourt, fromage, gâteau, quoi, gaufrette, tout ça. Donc voilà, bah, je suis contente, ça s'est bien passé, ça c'est fait. Hein, franchement, je suis contente. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure en rentrant. Bon, et eh bien je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est déjà 17h05. Franchement, je suis rentrée. David avait préparé à manger, donc j'ai mangé. Et après, j'ai fait du ménage, oui. Même avec un bras en friche. Non, mais j'ai fait du ménage et après je me suis posée. Et en fait, je ne me suis... Enfin, surtout, j'ai fait mon montage aussi parce que ça, je l'avais pas fait du coup ce matin. Donc j'ai fait mon montage et là, je me suis posée jusqu'à maintenant. Parce que coup de barre quoi, contre coup de tout ça, de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai envie de vous dire, parce qu'entre l'hospitalisation de Nolan et moi, mon intervention, c'est vrai que en fait, entre temps, j'ai même pas eu le temps vraiment de me reposer. Donc là, je me suis reposée un peu cet après-midi, je n'ai rien fait. Par contre, c'est compliqué avec les enfants, puisque ils sont tous les trois à la maison, on peut pas sortir parce qu'il fait un temps horrible, c'est humide, il fait froid, enfin bref. Donc on reste à la maison, mais vu qu'on évite qu'ils soient sur les écrans,
On leur a appris bah, voilà, tout ce qui est téléphone et puis console et tout ça, enfin, on veut vraiment, vraiment arrêter. Enfin, on veut vraiment diminuer ça. Donc, bah, il y a des jours, surtout le mercredi, on diminue et on leur demande d'arrêter les écrans. Mais bon, forcément, ils ne sont pas d'accord. Parce que si ça tenait qu'à eux, ils seraient comme ça. Voilà. Surtout que Nolan ce matin, quand il y avait mamie, apparemment il est resté toute la matinée sur le téléphone. Donc bon, voilà, l'après-midi on va se calmer. Mais bon, du coup ils s'ennuient, hein, parce que les enfants de nos jours, quand ils sont pas sur les écrans, t'as l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Et ça, c'est un constat partout, hein. Donc bah, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire. Enfin voilà. Bon bref, là il y a Evan et Aria qui jouent ensemble, Nolan, il est avec papa. Et moi je me fais un petit café comme ça, gourmand, avec des petites gourmandises aussi. J'avais trop envie de ça parce que. Non mais je vous dis, ça m'arrive rarement, et vous le savez, si vous regardez régulièrement mes vlogs, ça m'arrive presque jamais en fait de me poser sur le canapé et d'être vidée en fait. Donc là je. Vraiment vidé, vraiment. J'étais en train de regarder la série Qui ment, parce qu'en fait je l'avais démarré il y a un petit moment et en fait j'avais coupé. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes dernièrement, donc bah du coup en fait je l'ai reprise là, je suis en train de la re-regarder. Voilà, j'ai eu quelques colis du barbu, dire ça comme ça, cet après-midi, donc forcément je ne vous montre pas. Par contre, j'ai eu un beau cadeau pour moi. De la part de Ava et May, en fait, ils m'ont fait un cadeau. Alors, je ne suis pas obligée de vous en parler puisque c'est un cadeau de remerciement pour les collaborations, etc., effectuées pour cette année. Mais c'est tellement joli ce coffret que j'avais envie de vous le présenter, tellement qu'il est magnifique. Déjà, regardez-moi la beauté du coffret. On dirait, enfin, moi, j'adore ce genre de boîte comme ça qu'on peut réutiliser, forcément qu'on garde. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Déjà j'ai une petite carte personnalisée et tout, mais elle est vraiment personnalisée, hein, parce que c'est écrit à la main avec mon prénom et tout. Je suis mais trop touchée. Et Emma, donc c'est la personne avec qui j'échange pour les collabs. Et donc c'est elle qui me l'a écrit et qui me l'a signé et tout à la main. Je trouve ça trop adorable. Je suis contente. Emma, si tu passes par là, forcément je te remercie grandement. Voilà pour la petite attention. Alors c'est un coffret. Alors je ne sais pas si vous pouvez le retrouver sur le site, mais je pense que oui, hein, vous pouvez certainement le retrouver. Je vais essayer de vous le chercher en fait et de vous mettre le lien si vous êtes intéressé, mais je trouve ça magnifique. Et cette senteur-là, donc c'est la senteur Marrakech, je ne l'ai jamais sentie. Et en fait, tout à l'heure, j'ouvre la boîte, j'étais là. Hop, 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 ça. Ça va être une dinguerie. Donc il y a la petite bougie, le diffuseur et le spray ambiant. Vous savez, le spray pour mettre partout, là sur le canapé, tout ça, les rideaux. Alors, il y a donc du coup la bougie, elle se présente comme ceci exactement, bah, les couleurs de Marrakech, quoi. C'est vraiment trop, trop, trop joli. Et l'odeur, ça me fait vraiment penser aux pâtisseries orientales. Ça a vraiment l'odeur des pâtisseries orientales, des cornes de gazelle, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est ouf, c'est ouf. Moi, j'adore tout ce qui est, de toute façon, odeur orientale. Ça, c'est sûr que moi, j'adore tout ça. Mais là, le fait que ça sente vraiment les biscuits orientaux, là, c'est ouf. Donc après, bah, le diffuseur, je vous le déballe pas. Hein. C'est toujours pareil, mais voilà, de la collection Marrakech. Et le petit diffuseur comme ceci, enfin le spray d'ambiance. Je vais quand même vous l'ouvrir celui-ci pour vous montrer. Il est comme ceci. Vraiment trop dans le thème, ça va trop avec le sapin. Hein. Vraiment trop joli quoi. Je vais en mettre tout de suite sur le canapé un petit peu. Hop. Parce que je me suis installée là mon petit coin avec les oreillers là pour regarder la télé. Je vais en mettre là. J'adore. J'adore mettre des sprays sur le canapé. Après, ça sent trop bon dans la. Oh, j'adore. Ah, mais ça sent vraiment les biscuits.
Ouais, ça sent un mélange de biscuits, de vanille un peu. Je saurais même pas vous décrire. Franchement, c'est hyper compliqué de vous décrire les odeurs. J'ai toujours un peu de mal, mais voilà. Sur le nez, là, la première impression, c'est les biscuits orientaux, direct. Donc voilà. Bon, trop joli. Ça fait trop une idée cadeau, ça, franchement. Trop cool. Bon, en tout cas, je vous mettrai le lien si je le trouve. Si je le trouve. Et sinon, je vous mettrai un code promo. De toute façon, ça, code promo, je peux toujours vous le trouver, ça, c'est sûr. Et voilà. Allez, je vais me réallonger tranquillou. Encore une petite demi-heure, je pense. Et après, je vais un peu me bouger quand même. Parce que c'est vrai que c'est bien de se reposer. Sauf que, ben, faut s'occuper de la maison, des enfants et tout, le tralala. Voilà. Allez, à tout. Bon, ça y est, je me bouge un peu les fesses et je vais faire une pâte à pizza. Pour ce soir, là, il n'est pas encore 6h, mais voilà, je vais commencer maintenant parce qu'avec les temps de pause, etc., je vais faire ça avec le monsieur cuisine, comme ça va être plus rapide. Avant ça, je voulais vous reparler de mon muesli parce que, en fait, là, au mois de décembre, c'est le dernier mois pour pouvoir l'acheter. Après, en fait, il va être supprimé du site. Il n'existera plus, peut-être une prochaine collab à l'avenir, mais là pour l'instant ça va être, il va être supprimé. Donc là en fait c'est la dernière ligne droite si vous le voulez. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai eu beaucoup de très bons retours sur mon muesli. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'avait commandé, on est venu me dire comme quoi il était vraiment délicieux. Et moi vraiment je l'adore, je l'ai là-dedans aussi du coup dans le contenant. On en mange encore toujours, enfin vraiment même les enfants l'adorent. Enfin, le goût est vraiment délicieux parce qu'il y a un mélange de fraises, noix de coco et citron. Ça donne vraiment un mélange super bon. Donc à l'intérieur, pour vous résumer, il y a donc crunch chocolat, mini biscuit cheesecake, boule d'épeautre blanc, blé soufflé au miel, ça a un goût de smacks, copeaux de noix de coco et fraises. Et donc il se présente comme ça, au moins vous le voyez en visu. Voilà, le contenant c'est pareil, moi je l'ai eu dans le calendrier de l'avant, le contenant il est trop beau, il est en verre et tout, donc du coup j'adore, je mets tout dedans. Et donc du coup il est comme ça. Moi le muesli j'adore le manger avec le fromage blanc. Pour moi c'est, enfin je préfère le manger avec du fromage blanc qu'avec du lait, après c'est chacun ses goûts. Mais c'est vrai qu'avec le fromage blanc il est vraiment vraiment excellent. Vous avez des mini biscuits de cheesecake qui se présentent comme ça sous forme de mini burst, ils sont trop mignons. Je sais pas si vous les verrez tellement qu'ils sont mini là. Mais c'est des... Vous voyez, c'est des mini petits beurres. Mais c'est au chocolat blanc. Et c'est super bon. En fait, c'est du chocolat blanc citron. C'est super bon. Là, vous avez des copeaux de noix de coco carrément comme ça. Et nous, on l'adore quoi. Le muesli, toi t'aimes bien aussi, ouais. On l'adore donc... Mais là, vous avez encore tout le mois de décembre pour pouvoir en profiter. Donc n'hésitez pas, là vraiment il faut foncer si vous le voulez. Après il n'existera plus sur le site. Et donc c'est pour ça que je vous fais la petite piqûre de rappel. Si vous ne vouliez pas le louper, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En ce moment il y a une offre à partir de 10€ d'achat sur le site. Vous avez droit au mini coffret, vous savez les mini muesli and go comme ça. Bon là il en manque un. Mais vous y avez droit à partir de 10€ de commande avec mon code. Évidemment, en fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur mon lien qui est en barre d'infos. Vous tomberez sur le muesli, sur mon muesli. Et quand vous l'ajouterez dans le panier, vous aurez automatiquement les cadeaux des 6 mini muesli and go en cadeau dans votre commande. Voilà. Et là, c'est l'édition spéciale Noël. Voilà, pour les muesli. Donc voilà, je vous laisse checker la barre d'infos. N'hésitez pas à le commander si vraiment vous vouliez le goûter, vous hésitiez et tout, machin. Là, c'est la dernière ligne droite. Décembre, c'est le dernier mois où il sera disponible et après, il ne sera plus disponible. Voilà. Bon, allez, je vais m'attaquer à ma pâte à pizza. Et voilà.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h16 déjà. On a regardé le. Enfin, on a regardé. David a regardé le match France-Maroc. Mais moi, j'étais là, mais j'étais sur mon téléphone, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais bref, c'est pour ça que je vous clôture que maintenant. Les pizzas, franchement, elles étaient super bonnes. Par contre, la prochaine fois, je ferai la pâte. Bien avant, parce que c'est vrai que ça a mis du temps du coup à faire tout ça et on a mangé un petit peu tard. Donc bah, les enfants étaient un peu impatients, ils avaient faim, tout ça. Voilà, donc, mais je saurais que la prochaine fois je ferai la pâte un peu plus tôt. Mais en tout cas, ouais, c'était super bonne. J'ai bien. La première que j'ai faite, c'était une toute basique parce que Nolan et Aria ils mangent que ça. Donc j'ai fait une toute basique la première et les deux dernières, on a fait avec du fromage à tartiflette, jambon, et l'autre c'était fromage à tartiflette et. Samy danois parce que bah pareil hein, il reste encore de la charcute de la raclette d'il y a 2 jours hier avant-hier donc du coup bah pour la passer on fait ça quoi on fait ça quoi et voilà je suis explosée ce soir là je pense que je vais bien dormir bon en tous les cas j'espère que ah oui je vous ai pas dit Je vous ai pas dit parce que là du coup elle m'a mis des strips et par-dessus les strips elle m'a mis un pansement. Donc cette fois-ci je sais pas comment je vais faire par contre pour enlever le pansement sans décoller les strips. Donc déjà je vais attendre que le pansement soit bien mouillé, mais surtout je vais attendre quand même un petit moment avant d'essayer de l'enlever. J'ai trop peur. Mais en même temps il faut que ça s'aère en fait. Ouais, en fait, je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.